Europe 1, il est 22h13, l'heure de faire un point sur la bourse. En compagnie ce soir de Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Emmanuel. Encore d'importantes prises de bénéfices ce soir sur les marchés américains. Oui, la correction se poursuit à Wall Street après les annonces jugées décevantes de la Banque Centrale Européenne. La patronne de la Réserve Fédérale Américaine, Janet Yellen, de son côté, enfonce le clou. Elle a confirmé que les conditions sont favorables pour une hausse des taux. Du coup, le Dow Jones chute encore de 1,4% à 17 478 points. Et le Nasdaq, moins 1,7% à 5038 points. Le billet vert plonge avec un euro désormais largement au-dessus des 1,09 $ après la BCE. Cet accès de faiblesse profite au pétrole qui reprend de la hauteur avant une réunion cruciale des pays exportateurs demain à Vienne. Il gagne près de 3% à 41,08 $ le baril WTI. Après avoir cédé plus de 4% hier. Du côté des valeurs, les bancaires ont souffert. Goldman Sachs perd plus de 2%, JP Morgan moins 1%. Et puis dans le secteur informatique, Microsoft, Cisco et Intel perdent aussi plus de 2%. Et puis on a vu clair que les annonces de la BCE avaient fait décrocher les marchés européens aujourd'hui. Le CAC 40 plonge de 3,58% à 4730 points dans des volumes particulièrement importants. Mario Draghi a donc pour une fois déçu les attentes des investisseurs. Le taux de dépôt de la BCE a été réduit comme prévu pour encourager la distribution de crédits. Et le programme de soutien économique a été étendu, mais pas autant que ce qu'espéraient les opérateurs. L'euro s'est donc brusquement redressé dans le sillage de ces annonces, ce qui pèse sur les valeurs liées au dollar. Notamment Airbus qui perd plus de 5%, mais aussi Safran et Zodiac. D'autres valeurs exportatrices ont été très secouées. À l'image de LVMH qui chute de 4,5% ou de L'Oréal moins 4,3%. Les bancaires qui étaient bien orientés avant les annonces de Mario Draghi accusent des pertes de l'ordre de 2% ce soir. Aucune valeur n'a résisté sur le CAC 40. Le décrochage est général sur les autres marchés européens. Le DAX à Francfort perd 3,6%. Amsterdam moins 3,7%. Milan moins 2,5%. Madrid 7,2%. 2,4%, Londres moins 2,3%. Et puis je vous redonne le CAC 40, il chute de 3,58% ce soir à 4730 points. Merci, c'était Claire Lemaître.